Voilà. Normalement, ça doit être bon là. Comment ça fait pour faire? Pour mettre le tête en bas là qui switch. De quoi? Comment ça fait pour mettre le. Mettre le tête en bas là qui bouge? En bas dans le texte. Et tu fais comment pour toi le faire bouger? Attends, parce que ça faut que je regarde dans les réglages. Non, mais demain hein. Ça va, l'image a l'air belle. Salut Xavier, nous fait des infidélités sur ETS. On peut télécharger le pack de mode. Invincible. Par contre, je ne sais pas où je vais aller chercher de l'eau. Pour l'instant, j'ai zéro image perdue. Je sais pas si c'est fluide, c'est l'histoire. Oh, bien. Bon, par contre, là, c'est autre chose. Je sais pas, je vais aller chercher de l'eau ici. Ah ok Xavier, je pensais que tu nous faisais des infidélités. Je veux de l'eau. Allez voir à la raffinerie, il y a peut-être de l'eau. Ou aux vaches. Bah t'as le... T'as pris le plaçable hein. Ouais mais... Ah bah là il y a de l'eau. Ah bah. À la raffinerie il y a de l'eau. Remplir. Ah ouais. C'est pour ça que je suis là. Par contre ça remplit doucement hein. Rien, en ce moment là je vais regarder le chemin que je dois prendre. Bon bah ça va, je reviens sur mes pas et première à gauche. Ça va aller toi de dire à tout le monde que j'ai mes règles. J'ai diminué la sensibilité de ma zone morte, mais je crois que j'ai diminué un peu de trop. Ah ouais. Je conduis comme une mouflette. Oh
Faudra que je remonte la sensibilité parce que Bon, là. puis je vais mettre la côte garante dehors, parce que comme c'est pas 32, ça ne sert à rien. Désolé, hein, je grille les feux rouges, mais. Comme une page jamais ouverte. Oh ouais, faut que je remette la sensibilité plus forte parce que là. Ouais. C'est toi qui as voulu ma pelle, hein? Ça fait des mois qu'elle me parle à cette pelle d'Apple. On a qu'à une Apple, elle va être un peu de chambre. Bah, Kiki, il faut qu'il faut une carte. C'est bizarre parce que moi, avec mon iPhone, il n'a jamais fallu de carte. Bon, elle, elle veut faire quoi? Télécharger des musiques? Non, 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 du tout. Elle veut faire quoi alors? Pour mettre la belle sur Facebook. Ça, c'est pas normal, ça. En fait, il y a comme. Le Play Store. Hein. Ah ben, elle arrive là et il demande une carte. Parce que moi, sur mon iPhone, qui est le même, je veux dire, ouais. À part qu'elle ne sait pas téléphoner, j'ai jamais dû mettre ma carte. Hein. Attends, juste pour avoir Facebook, il faudrait payer, faut arrêter de déconner quoi. Tu sais, elle voudrait télécharger les musiques, ok, je peux comprendre, mais là, juste pour avoir Facebook. Je comprends pas. Tu vois, t'as ta copine là? Bah ouais. Pourquoi tu veux pas vider mon eau? Ah ouais? Pas? Regarde, ma citerne est vide alors que je l'ai remplie. Il y a un stress là. J'espère que j'ai pas été appuyé sur la touche pour la vider en roulant. Non, ça vide, non, mais ça vide. Ça vide tout seul là. Là. Tu crois toi? Va voir un peu où est-ce que tu as trop pas notre contrôle là. Ah ouais? Oh, 30 000. Oui, non. Ça c'est normal parce que ça, ben, j'avais déjà eu. J'avais déjà eu une map comme ça où ce que hop, t'arrives dessus, hop, et puis ça botte. Ça se vide tout seul. Ben crotte alors. De toute façon, normalement, les pourcents de tout, il y a que toi qui sera le voir, je crois. Bah pas forcément si t'as mis ton code admin. Facebook il est payant maintenant. Tu penses bien que Facebook serait payant maintenant, il n'y aurait plus personne dessus. Il y a un moustique qui est en train de sucer l'écran de mon PC. Tu vas rien avoir grand chose là, mais par contre je vais te tuer parce que sinon tu vas venir me piquer de la nuit toi. Mais merci pour le follow, Fantax D01. Bienvenue à toi. Comment vas-tu? Bon, comme je disais tantôt, je passe au rouge, mais il reste rouge tout le temps en fait, donc pas le choix. Zone morte. J'arrive plus.
pas quitte deux secondes. Hein. Non. Toujours lance, c'est bon. M'a foutu un stress quand même avec l'eau qui était partie. Je me dis putain, j'ai roulé avec la vidange en route. Quoi. Pierre, je fais un peu de pub. Tu dois en mettre combien de l'eau là-dedans, là-bas là? Je dois encore faire deux voyages et demi. Regarde, je fais de la pub à la télé. Ouais, j'ai vu. Elle est vraiment bien cette map, si je l'aime bien. Enfin, mis à part les feux rouges qui restent rouges. Salut le simulateur Ardennais. Bonjour le simulateur Ardennais, comment vas-tu? Ardennes française ou Ardennes belge? Ça va, ça va. Ardennes belge du temps de mes études. Et t'étais où pour faire tes études? Moi je vais souvent dans les Ardennes, près de Bouillon, à Pouperon. Ma deuxième maison, on va dire. J'y vais encore dans 15 jours d'ailleurs. Oh, je suis content d'y aller. Dernier week-end de l'année. Ciné. Ah ouais. J'ai déjà été pour le travail là-bas. Enfin, en petit exactement. Bon d'accord, c'est le condroit. Merci Castor pour le follow, bienvenue à toi et bonjour, comment vas-tu? Et tu faisais quoi comme étude? Oh oh, pourquoi ça s'ouvre pas?
Vous me direz si le volume du jeu n'est pas trop fort. Hein. Je diminue si c'est trop fort. J'ai mis de la musique. Moi je n'entends pas de musique. Aha. T'entends le camion là? Oui. À mon avis, le camion passe au-dessus de la musique. Parce que si je mets la musique trop forte, moi je vais avoir mes oreilles comme un chou-fleur déjà ici. Mécanicien agricole, ah ok. C'est chouette ça. Tu sais, c'est pas forcément parce qu'on est sur farming qu'on fait des études dans l'agriculture ou qu'on est agriculteur. Hein. Oui, ici, il y a tout comme tu dis. Bon Xavier, reprends l'ordinateur à ton père et viens nous rejoindre. Parce qu'il y a du boulot. Par contre, Sep et Xavier, il faudrait que vous me mettiez un petit coucou sur le live, comme ça je vous mets admin du forum. Du live. Merci Mister Platinum pour le follow, comment vas-tu? Hey Mister Platinum, ou Platine, non? Ah bah t'es nul ça, ok je sais. Faire un don, il n'y a pas besoin, on fait pas les dons. C'est gentil pour la proposition.
Oula. Synchro. T'es prêt à la faire là ou pas? Ouais, ouais, ma chérie. Ah voilà. Okay. Non, c'est parce que je voulais savoir, comme ça je redémarrais ou pas quoi. Et comme t'arrives, j'ai coupé mes gyrophares. Voilà. Et toi, Mister Platinum, d'où es-tu? Allô? Oui. Je fais quoi, moi? Bon, on peut faire avancer le temps, comme ça on va pouvoir commencer les moissons. Oui. Tant que je fais mon dernier voyage d'eau. Ah ouais, juste, je n'avais pas vu que vous m'aviez. Xavier m'a fait coucou, mais toi non, Seb. Moi j'ai mis. J'ai mis avant. Ah oui, ouais. Quoique les deux partenaires. Oui, merci, simulateur d'année. Voilà, normalement vous êtes tous les deux modérateurs. Merci, Chouchou. Je crois qu'il y a la famille du moustique qui était sur mon écran que j'ai tué qui est venue le venger. Que je n'en sentirai dans ma nuque. Tantôt, quand je me déconnecte, la première chose que je fais, c'est remettre la zone morte de mon vol. Purée! Les gens sur le live, ils vont se dire, ils conduisent comment? Voilà. Il y a le chevalier Xavier maintenant, il a une épée. Ouais. Et le chevalier Bosquillon aussi. Chevalier de Liège. Non, moi j'ai pas d'épée. Bah si t'as une épée, moi je la vois. Oh non, moi je la vois pas moi.
C'est peut-être toi qui ne la vois pas, mais moi je la vois, je te promets. T'as l'épée verte, Bosquillon 80, et après le petit bonhomme qui tire la lampe. C'est peut-être parce que c'est avec ton compte que tu la vois pas. Peut-être, hein, mais moi je la vois. Oh, les lumières viennent de s'allumer dans l'usine. Par contre, j'espère que la boulangerie est ouverte toute la nuit, eh ben, c'est sinon. Salut, salut. Salut, il y en a un qui a volé le PC à son père. Une tasse pour moi aussi. J'essaie à chaque fois mais ça marche pas. Ouais. Moi je vais te l'envoyer mais... Tant qu'il arrive, ce sera froid. Tu viens nous rejoindre toi Xavier ou pas? Moi j'arrive. Wesh alors, comme dirait quelqu'un qu'on connaît. Ouais. Yeah. Bonne continuation simulateur randonné, à quand tu veux. Bonne nuit. Wesh alors. C'est comme les jeunes. Ah, moi j'arrive pour la partie. Je sais pas vous, mais moi je suis fluide, hein. J'ai pas connu un seul coup de lag depuis que je suis revenu. Ouais mais j'ai compris après hein. Parce que j'en ai eu aussi quand j'utilisais le GPS. Et quand j'utilisais plus le GPS plus rien. Bonjour à tous, bienvenue sur le live. Ah, Chevalier Xavier arrive. Par contre, je ne comprends pas. L'eau est à 78%. J'ai encore 66 dans ma remorque et il prend plus. Parce qu'à mon avis, t'es plein. Non, mais pourquoi ils mettent 78% alors? Enfin, 78%. Être qu'on fait déjà. Ramener le camion en hangar, j'arrive près de vous. Les cultures en sont où, Sepp? Ouais, je sais pas. Ouais. Pourtant, c'était mis en rapide. Encore au moins un jour. Encore au moins un jour. Bizarre parce que c'était mis en rapide. Bah ben ouais, mais en rapide, il faut du jour, hein. Il semblait que ça avait été plus vite que ça pour cause. Oh! Je me dis merde, t'as un lag. Non, c'est quand il a refait jour. Re.
Oula! Ça va descendre. Ouais, mais il vient d'avoir les changements de jour-nuit. Et c'est assez violent le changement de jour-nuit. Bah non, bah tu vois pas que c'est moi qui avance. T'as mis ton mode toi? Ah bah que tu voulais pas le mettre? Bah non, j'ai pas mis le mode. Ah c'est, regarde, je fais CTRL et A, CTRL, ALT et R, le temps bah, il s'avance. Bah c'est que c'était un mode qui était dans autre chose ça, parce que moi je l'avais pas mis. Hein. Attends, je vais éteindre le live sur mon téléphone. Hop. Ouais, j'avance le temps comme ça. Voilà. Et j'ai éteint le live sur mon téléphone. Non, j'ai. Voilà. Pique fourrage, ouais, d'accord. Non, pas quoi. Mais vous, qu'est-ce que je fais, moi? Bah, on attend que les coutures soient prêtes et on va les moissonner. Ok. C'est ça qu'on avait avancé le temps. Maintenant, je pense qu'il y a une remorque là ou pas? Je pense pas qu'on ait. Ah, une remorque, on en avait une pourtant. Oui, il y a une remorque, mais je sais plus où je l'ai garé. Dommage, hein, ça. Ouais. Pour demande pour que tu vois en silence. Ouais, je sais bien, moi. Ça arrivera quand? Il y en a une de remorque dans un des hangars. Un jour, j'arrive pour ouvrir ce hangar-là. Parce qu'il y en a des seuls qui ne se trouvent pas, qui vont rentrer par notre côté. Je sais pas, parce que je vois pas de remorque. Et tous les champs sont prêts, hein. Il faut va faire le maïs aussi après. Enfin, on va déjà faire ce qu'on va faire. Hein. T'as pris quoi toi, Sepp, la moisse batte? Oui. Tu me prends une remorque ou... Mais il y en a une ici, une remorque. Je pense qu'elle est dans le hangar à ta droite ici, non? Ici, regarde sous le côté, tu sais ouvrir la porte, logiquement. Ouais, ah oui, on a eu. Ah, ça me semble bien. T'es partout, toi, Sepp? Je suis en 17. Ok.
Ah, bah, elle est belle la remorque que t'as aussi. Ben ouais. Je l'ai pris parce qu'elle prend les carottes, les oignons et tout. Oh, je te suis. Hein. Bah, de toute façon, là je traverse pas un champ, hein, donc c'est pas comme si je traversais les arbres. Oula. J'ai bougé la zone morte de mon volant et j'aurais pas dû. De quoi? Ah, ça y est! Tu vois, ça me semble bien qu'il fallait pas payer. Xavier, ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est aller prendre la ramasseuse. Ouais, T'as combien de pourcents, toi, Seb? Hein? En fait, l'identifiant à la PC est tellement de trace. T'as combien de pourcents de la moisson? 31. Attends. Je vais te dire la remorque que j'ai pris ici, combien elle prend, comme ça. Quand t'es à ce pourcentage-là, tu me le dis quoi. Hop. Elle prend 27 500. Combien? 27 500. Quand je suis à 25 000, je t'en... Et là, t'as combien? 22. Ah, ok. T'as vu ce qu'ils annoncent comme temps? Bonjour. Ah, oui. La neige. On pourra pas couper. Ah, ben non, c'est pour ça que je te le dis. Ah, bon, on va faire de l'ensilage, tant qu'il pleut. Et de l'ensilage, faut quand même qu'on. L'ensilage, ça passe pareil. Hein. Ouais. L'ensilage, tu peux le faire comme tu veux, l'ensilage. Je sais pas où je vais aller. Merde, je t'apprends vite de la guerre. Tu l'as, toi, Seb? Oui. Ouais, ça va, c'est jouable. Ça va. Ah, moi, là, je suis en train de... Ça serait jouable, là. Ouais, d'accord, bah non, ça va. Bah, moi, ça va. C'est jouable. Oh, vas-y, viens, chouchou. Mais ouais, je suis à côté, mais j'essaie de te rattraper. Ah merde. Je pensais que le bras était plus court. Ah oui, je m'en donne une technique. Moi, j'aime bien ce que cette personne-ci. Cette poisson aussi, c'est qu'elle vit vite, tu vois. Ouais. Tu dois pas attendre. Bah, tu vends ou tu mets à l'usine ça? C'est quoi de l'or? Je sais pas quoi faire. Alors moi, je crois que là, je vais mettre à l'usine. Bon, l'usine. Soit à la bière ou alors au pain, n'importe. Bah, je vais premier aller au pain vu que j'ai déjà mis de l'eau là-bas. Putain, j'ai perdu le pain. Ben c'est... Oh, elle est là. Donc il faut que je prenne la gauche. Ils vont se battre, non, c'est la mienne, mais non, c'est la tienne. Et si maintenant je dis donc, pourquoi pas où c'est mon maintenant? Eh ben, t'auras plus de câlin. C'est joué. Je casse qu'elle m'a dit. Tiens, je jague, bon, maintenant. Ouais, moi, je te fais rien faire. Ah, c'est fini, ça y est. Moi, je peux même plus me faire dans mon secteur pour alors exploser la partie. Qu'est-ce que c'est de ça?
Non, je reviens sur la porte. Moi j'ai lagué le temps qu'il soit éjecté, après j'ai plus rien eu là. Oh, ça parce que je dis ça. Faut pas parler. Je pense que le jeu nous entend. C'est quoi le stockage là-bas? Quel stockage? Près du champ 17, là, je vois un truc. À mon avis, c'est pour mettre les lisiers. Le lisier, voilà le fumier. Bien. Oh, j'en connais un qui est arrivé à Luzen. T'as vu, c'est mon petit doigt qui me le dit. Ouais, c'est Twitch qui te le dit, ouais. Mais je suis un peu bloqué par un Xavier. Ah, ça y est, j'ai marre. Je veux pas demander au petit noir qui fait ta PV. J'ai perdu une pédale sur mon pédalier mon rôle, hein. Du coup je bouge mon pied, première je trouve la poêle. Oh, ça recommence, arrive, je suis... Ouais, ça a descendu. Ouais, chaque fois que je rentre sur la partie, je suis à des 1000 et 1000, et après ça redescend, je suis à 65, 70. Je fais des remplacements. Moi je tourne entre 65 et 75. Moi je suis entre 65 et 75. Dans ma vie. Encore une remorque pour la boulangerie, après c'est tout. Il n'y a pas eu de remorque, je sais pas. Oh vache, il y a un silo. Ok. Bon, les vaches, elles sont là. T'as combien là? 19. Là, moi j'ai beaucoup de lag. Ouais, moi aussi. Ouais, moi aussi. Là, je suis à 309. Et là, je suis tombé à 66. Je ne comprends plus rien. Mais pourtant, regarde, c'est quand tu jouais, enfin quand tu liveais et que je jouais, j'en ai pas eu un seul. Ouais, je sais pas. En tout cas, il y a de la faille, j'ai pris deux en vert. Donc pas avec deux en vert. Là, je vais avoir deux et demi. Je suis déjà à 57% normalement. Ouais, là, attends avant de faire ta manœuvre, je vais prendre le reste. Ouais. C'est tout? Ah oui, avec le 1%. Oh là là. Ouais, ouais. Ouais, là c'est...
Ouais. Bon, on va pas accélérer ton max sur les 17. De quoi tu dis? La map actionnée normalement elle sort le 17. Tiens, il la sort quand même pour finir. Ouais, qu'est-ce qu'il a dit tantôt? On va voir si c'est vrai ou pas vrai. Bon. Mais c'est pas une grande carte. Hein. Moi j'en bats. En sens général, tout ce qu'Arsenic fait, elle est bien. Ouais. Les Vosges, c'est des Vosges aussi, je sais pas si tu connais. Oh, de nom. C'est totalement possible. Bon, il me reste 1457 tonnes dans ma remorque. Et ici, c'est à 100%. Non, je sais que je ne sais pas pour un mot venir m'aider parce que je me suis claqué ton cas en bas et que j'ai fait sur le coup. De quoi? Bah, derrière le coup, j'ai eu un coup de lag et je me mets en roue avant et j'ai bloqué sur la barrière que j'ai fait. Bah, je vais arriver. Ah, à moins que j'entende d'ici sur la rambarde. Ah, il manque pas grand chose. C'est bon. C'est bon? Oui. Ah, bah j'arrivais, sinon j'étais là au pont. J'ai réussi à glisser tout le monde de la rambarde. Quand t'as un coup de lac, il ne faut pas. Avance. T'es parti où toi, la CEP? Au 10, vers le champ d'or. Le 10, elle t'a frappé? Non. Oh, je vois des oignons. C'est des oignons ou la carotte? Non, là c'est des oignons. Oignons ou pèse? Ouais. On l'a pas les achetés. Les carottes, je les ai semées à la sortie de la ferme. Non, là t'es au 12. Ouais. C'est celui à côté. Pourquoi tu lui as pris une petite capacité? Parce qu'on avait dit qu'on ne jouait plus avec l'autre. Mais je l'ai réinstallé quand même. C'est pour un mariage. Je travaille à la vitesse que je fais.
Bah non, moi je rigole. Hey, je rigole moi. Je savais que tu rigoles. Bon bah je vais fumer une cigarette tant que tu fais ton chant. De toute façon, il n'y a que deux personnes sur le live, donc toi et moi. Bah ouais, bah il faut dire que... Bon, ça ne me tracasse pas, tu sais. Bon, bah moi non plus, moi je me suis pas fait la tête, attends toi avec deux, hein. Allez, j'arrive, fume une clope. Tu commences avec deux, tu finis avec plus. Quoi? Je disais, tu commences avec deux, mais au fur et à mesure, il y aura plus. Bah ouais, voilà, il faut se dire que... Tu peux pas commencer tout de suite avec 400 viewers, hein? Bah non, voilà. Non mais je ne sais pas, moi je connais pas, donc j'en sais rien. Moi. Non, ouais. C'est pas moi. Hein. T'as pas remarqué qu'il y a quelque chose qui a disparu derrière toi? Xavier? Hein? T'as pas remarqué qu'il y a quelque chose qui a disparu derrière toi? Non. Ouais. Ta chargeuse est encore là? Bah ouais. Pourquoi elle l'a pas vendue? Je viens de la vendre. Parce qu'en fait, il est dedans. Ah merde. Mais là, elle est pleine de paille, hein. Donc, Ah ben va la vider et après je vais te faire... Tu auras une surprise à la ferme. Après quand tu l'as vidé, va à la ferme, il y aura une surprise. T'as combien toi Seb? 31. Ah bah attends, alors je vais te prendre. Ouais. Avec 50 pommes, on va monter. Non, non. Ouais non, Samini fera ce qu'elle veut avec un gars de ceinture, mais moi non. Je ne dirais pas, il y aurait des gens. Je suis pas breton, donc je suis pas un tout petit peu con. Eh, t'as vu en France, ça va tourner mal à Calais. Hein. Ah bah là.
Ils sont en train de faire les routiers, ils sont en train de faire des barrages et tout pour qu'on fasse dégager les sans-abri. Bah écoute, j'avais ils sont Ah bah ouais, bah je dis pas le contraire, je suis tout à fait avec eux. Et la population se met avec eux, donc c'est bien. Moi j'habite pas très loin, mon frère il va au lycée à la fin, il faut le rendre pour pouvoir passer ses permis pour le retour. Bah, et tous les jours, mon père quand il est tranquille, il est allé chercher. Mon père il croise un CRS, il est pas en train de faire dégager tous les migrants. Mon père Ah il ouais. devait avoir envie de leur foutre sur la gueule avec les migrants. Le CRS, c'est quand mon père il passait pas dans tous les migrants morts quand on avait parce qu'il y a des associations. Ben, t'as pas vu, ils font des barrages pour monter dans les remorques et tout. Non mais un coup ils ont jeté un trombone Ouais, ça j'ai vu sur ça. l'autoroute, ils ont jeté un trombone sur l'autoroute et le trombone est tombé devant un moteur, un moteur qui est. Ça c'est pas du tout. C'est des... Bon. Bonsoir, Vava 27 110, comment vas-tu? Mais en France, ils s'occupent plus des migrants que des Français. Ben, il y en a un qui est arrivé, il y a Vava qui est arrivé sur le live, Xavier. Salut. Je détends là en France. Ça va bien, ça va. Ouais. Très bien, et toi? Du coup, je vais à la ferme. Tu me diras quand t'as décelé la remorque. Ah, je l'ai détruit. Je l'avoue. Déjà, je suis à la ferme, là, quand je suis à la ferme de vache. C'est quoi les grands trucs, on dirait le truc à houblon, non? Ça. Bah, à 120 mètres. Merci pour le follow, Vava. Pour ça, 29. Ouais, on dirait le truc pour faire toucher du houblon. Ouais, c'est ça. Oui, parcelle 29 et parcelle. Même sur le tour, c'est quadrillé. Il y en a une dans la 29, il y en a une à l'autre part. Vraiment, le normalement, on doit le semer sur le champ 29, normalement. C'est. Où est-ce qu'il y a les deux? Bah, ouais, il est grand. Ouais, c'est ça. Du coup, je vais à la ferme. Par Non, non, il n'y a pas que des origines. Voilà. Ah ben j'appelle la remorque. C'est le grand-père de ma mère qui était belge. Ah, et toi tu es de France, je suppose alors. Tu as 23. Ouais, mais j'ai pas pu décharger la raffinerie, donc je vais voir autre part. Tu peux le mettre au pain là, les maintenant? Ben non, pain c'est complet. À la bière. Ben c'est celle-là que je vais voir. Il est normand. Ah, Normandie. Et t'es d'où en Normandie?
train de voir, mais je sais pas, c'est bizarre, je suis à 65 MS et je lui attends. Il est plus de bien de sur le 80-82. Ouais, je sais pas. Je suis à 30. Oh, je suis à la bière. Je vais me foutre une daille. Faire une tombée tout le monde. À côté de Évreux. Ah, d'accord. Alors, à la bière. Il faut du barley, du hops, du quoi, du hops, du hop, ouais, donc du hops, ça c'est du blond, et de l'eau. Et de l'eau. De toute façon, je suis en train de tout noter sur un papier, donc. J'ai pas ouais. Quelque chose. Tu m'as dit que le hop, on savait l'acheter. Ouais. Non, c'était pas Ops, c'était quoi? Hopfen! Hopfen, que c'était qu'on savait acheter. Maintenant, c'est peut-être Ops en. Ben, Hopfen, c'est du Hopfen. Et c'est du Hopfen. Par contre, ici, tout est marqué en allemand, donc ça correspond pas à l'anglais qui est sur l'aide. Donc, on va essayer ici, j'espère. Ah, ça va, c'était le bon. Y'a qui avec toi? Y'a le simulateur de Liège et Xavier. Deux personnes qui font partie de la team. Eh ben, une remorque, c'est 55% de ce qu'il faut. Il les entend pas beaucoup. Ben moi non plus honnêtement. Attends, je vais regarder si je sais faire quelque chose. Que je regarde. Essayez comme ça. Hein. J'ai augmenté. Est-ce que tu nous entends mieux maintenant? Garcep sur le live, je vais te montrer, je vais passer devant la caserne des pompiers. Ah ouais. Ouais, je la vois là-bas. Bon, elle est pas là. Non. Bah toi oui, mais après les autres joueurs je sais pas. Je vais quand regarder. Donc moi apparemment ils m'entendent bien, c'est les autres joueurs qui n'entendent pas bien. Bon, on va dire que là je parle pas du tout non plus. Bah tu sais comme moi Xavier que je ne t'entends pas beaucoup. Je sais pas trop aujourd'hui. Je lag là, putain. Réglage du volume,
C'est mieux ou non, quoi? Non, c'est pareil. Et là, c'est mieux? Non, non, pareil. Tant que tu cherches, je vais regarder dans TeamSpeak. Là, tu m'entends mieux ou pas? Non, pareil. Je sais pas. Je ne sais pas. Parle une fois, Xavier. Xavier. Ouais. Parle. Après, non, du coup, la ronde. Bip, bip. Ah merde, j'ai augmenté le volume de Sep, moi je pensais que Xavier j'étais sur Sep. C'est que j'ai pas dit par la coup, je sais pas quoi dire. Présente-toi. Alors bonjour, non, je m'appelle Quentin, je suis mon parvu. Alors, ça clic droit, c'est clic droit hein. Ouais. Ouais. Et après c'est où? Augmentation du volume, ouais. Ah, c'est bon, j'ai trouvé ma phrase quand on me dit de parler un coup. Voilà, ça y est maintenant. Maintenant, bah, je peux t'entendre mieux. Il y a un Vava qui met bip bip. Ouais, oui, j'ai vu, je l'ai dit bip bip. Bip bip. Ouh là là. Bonjour, je m'appelle Quentin, je suis de Montargis. C'est marrant, j'avais un copain comme ça, je l'appelais. Eh, hey, tu ressembles à un cul, mais t'as qu'une fesse. Lui, il devait peut-être moins apprécier, par contre. On voudrait bien une remorque ici. Eh, hey, je suis plein, moi. J'ai pas compris, ben j'ai fait une blague, il m'a sauté. De bonne volonté. Ah. Mais ça ira mieux, après, je devrais aller moins loin. Hein. Si, c'est parce que je vais il à la biche. Il triche. Il triche. Il a pris l'autochargeuse magique. Bah oui, j'ai dit qu'il pouvait. Ah. Ça fait 10 minutes qu'il tourne autour de toi, et t'as de le remarquer. Ah, écoute, je ne regarde pas ce qu'il fait. Ah ouais, ça ce serait une belle blonde. Ah, ça je regarde tout de suite, hein. Ah, Mini est parti. Je suis un petit comique, on me l'a déjà dit souvent. Mini est parti. Non. Hein? Faudra que tu me répondes à ma question de tantôt. À quelle? Si t'aimerais pas faire le boulot que j'avais parlé. De quoi? Ben dans les films X. Non, non. Ouais, ouais. Ah bah comme, eh bah comme un batesteur, oui, moi je veux bien. J'ai eu un petit coup de lag là, moi. Ouais, moi aussi j'ai eu. Ouais, là j'ai 200-300 ms. Moi je suis plein. On va voir ce que le cas il y a dans le ventre avec 250 tonnes à l'arrière. Bon, je suis déjà à 60, hein, donc. Après, il va me dire je suis bloqué dans l'arc. Ou alors, on va courir avoir un screenshot qui est bloqué sous le toit d'une église. Non. Oh, j'ai pas encore vu d'église donc. Ah non, mais tu te rappelles pas sur Quentin? Oui, souvent, ouais, c'est mon ouais. Collègue. Ouais, je m'en rappelle. Ah. Oh, j'ai fait le cucuche. Mini, faut essuyer. Et allez, hop, un feu rouge. Ok, je suis bloqué dans l'arc. C'est pas moi. Nous, on avait un spécialiste qui s'appelle Xavier, dont on ne citera pas le nom. Qui, lui, c'était sur les clochers d'église, quoi. Ouais. Oui. D'ailleurs, je vais retrouver le screenshot et je vais le mettre sur la page Facebook. Oh, Mini s'en va. Bah écoute,
Coupe ton micro quand vous faites ça. Je ne saurais pas, il y a mon... ma touche de mon micro, ce que je le coupe, qui est cassé. Oh bah si tu casses tout en plus. Hashtag Xavier. C'est pas bien de se moquer. C'est pas gentil. Voilà. Oh mais c'est j'avais fini. Eu un coup de lag aussi. Ça on l'a tous fait Xavier. Oh j'ai eu un coup de lag, je suis dans l'air. Bon ben à la bière c'est rempli alors. Ouais. Parce que j'ai encore 5 tonnes dans l'armoire. T'es plein toi Seb? 42. Ouais tu vas bientôt être plein quoi. Je vais déjà venir vite prendre ce que t'as dans... pour te libérer. Ah si jamais tu prends la grosse remorque, moi t'en mets plus dedans, non? Plus dedans, hein? Hein, pilote? Sac à dedans? Oh, j'ai eu un coup de lag. Mais cacahuètes, il a dit. Mais non, mais chut, qu'il a mis. Cacahuètes. Oh, pardon, j'avais pas vu. Moi, je dis tous ceux qui se foutent de ma gueule sur le live, là, hein. Hashtag Xavier tout. Hop, putain, dégage. Moi, j'ai rien fait, moi. Ah ouais parce que Seb s'y est mis sur le live hein, il a tapé aussi sur le live hein. Mais je suis parti voir. Après il va me dire je lag. Ah je me suis arrêté là pour aller voir parce que sinon on pue le tracteur. Va voir qui m'est mort de rire. Parce que là je suis à 1600 ms hein donc Pingé. Ngeti, Uftiki non, bien c'est sûr. Vie pas la bière mais le panaché. T'as au moins ni l'un ni l'autre. Hein. Par contre, une petite vodka ou un passoa, on dirait pas non. C'est pas bon. Faire la bière. Bizarre, j'arrive sur le live, hein, y a plus aucun commentaire. Hein, je fais Xavier, hein. Les petits complots là. Qui petit complot? Ce serait un complot, on te le dirait pas en. Comment, sur TS? Oh, ça monte, voilà. Mais continue ta ligne, je vais te prendre dans l'autre sens. Vis pas la bière, le panaché, un bon jus d'orange, rien de. De toute façon, tu peux pas, toi, t'as pas de place. Et va, t'as quel âge faut pas dire. Ouais, parce que. Hein alors, merci, hein merci Oxyrémy pour le follow. Mais t'es pas russe, t'es belge et tu bois pas de la bière. Eh non. Pardon. Moi c'est de la bière. Il y a des Belges qui jouent. Il y a des Belges. Tu fais quoi, Seb? Parce que je t'attends là en fait. Ben j'attends que tu me vis, tiens. Ben moi j'attendais que. Toi. Ben et moi j'attendais que tu reviennes dans l'autre sens pour continuer ta ligne. Ben écoute, si on s'attend à l'autre, attends, ben je vais arriver, bouge pas. Kikou lol caca nob. Ouais, d'accord. Alors, il doit pas être français. Ah, 13 ans, hein, il est encore plus jeune que moi. Bah. Ah ouais, bah la bière à 13 ans, hein. Allez, bah. ça y va. Ben, tu sais que je vais te raconter une anecdote. Quand j'avais 13 ans, ma mère... Eh ben, j'avais toutes mes dents. Quand
J'avais 13 ans, ma mère s'est disputée avec mon ancien beau-père. Et comme mon grand-père venait manger, et cette fois-là, il n'est pas venu manger. Il a eu un imprévu. Mais ma mère avait quand même préparé l'apéritif. Et comme ma mère avait mis l'apéritif et tout, elle avait mis du martini, le pisseur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a stronné le martini. Il y avait des verres de coca, je ne sais pas si tu te souviens, les grands verres à coca rouges là qu'il y avait là. Ouais. J'ai pris deux verres comme ça, je les ai remplis. Par contre, après, je ne raconte pas comment j'étais. Hein. À 13 ans. Bon, moi, j'ai une anecdote, mais vraiment. Alors, j'avais quoi? J'avais 4 ans, un peu. J'ai 27. J'avais quoi 4 ans. Et puis, tu vois, ma mère, tu vois, elle était pas encore à la top en cuisine. Et puis, qu'est-ce que moi, j'aime bien les champignons. Et après, elle fait des champignons avec une sauce au vin blanc. Et beaucoup, beaucoup trop de vin blanc. À 4 ans, j'étais tollé comme une seconde. Je me souviens toute ma vie. Moi, mon parrain et mon oncle, ils ont fait mieux. Il y avait un alcool qui ressemblait à du café vide extérieur. Et il le strônait et il remplaçait par du café dedans pour pas qu'on le voie. Mais donc, un jour, il y a la sureur de ma grand-mère qui vient et chaque fois qu'il venait, il buvait un petit truc comme ça. Donc, il arrive, ma grand-mère lui dit « Ah, vous voulez boire quelque chose ?» Bah oui, comme d'habitude. Hein. Oxy, tes insultes, tu vas les faire autre part. Hein. Attends, je m'en cherche. Il a mis bite en plus. Et hop, un bon pompou dans l'air. Donc j'en étais. Ah ouais, la sureur arrive, ma grand-mère, vous voulez boire quelque chose? Bah oui, comme d'habitude, hein. Elle lui sert tout. Et d'habitude, il se trônait tout le verre, il en reprenait un deuxième. Et là, il a bu une gorgée dedans, il n'a plus rien bu. Ma grand-mère... Bon, elle fait pas gaffe, il s'en va, elle dit, mais c'est bizarre, il a rien bu et il en a pas demandé un deuxième. Elle goûte, forcément, les autres, ils avaient essayé de mélanger du café avec le machin, c'était dégueulasse. Oh là. Comment tu fais pour toi, supprimer comme ça le message? Tu te mets dessus et t'as un rond avec une barre dedans. Ok. Et quand tu cliques sur la personne que tu bannes, il efface d'office les messages. Ok. Par contre, moi j'ai un bug avec ma mort qu'elle continue à vider tout le temps. Ouais. Décroche-la, raccroche-la peut-être. Ah, c'est bon. On dit merci qui? Merci Jacques Michel. Ah, voilà, c'est ce que je voulais. Il connaît. Je l'ai senti jusqu'en Belgique. D'accord. J'ai l'impression que le stockage de paille il est plein parce que j'arrive plus à m'en mettre dedans. Ah. Non, ça c'est pas possible ça. Regarde ce que c'est foutu dans mon tracteur. Attends, je vais aller voir. J'arrive plus, il y a encore un petit pourcent dans la remorque et j'arrive pas à le... Merci tu sais les simulateurs normands pour le follow. Tu sais que moi je vois zéro dedans moi. Bah moi je vois un. Non. Moi je vois zéro moi. Dans sa remorque? Ouais. Non, zéro je vois. C'est lui qui a un bug en fait. Non, moi je vois encore 1%. Merci Jackie Michel. Mais ça je crois que c'est connu partout ça. Yeah. Ah tiens la remorque, tu l'as pas vendu la remorque à ramassage rouge? Non pas encore. Je suis occupé à faire mes voyages, mon dieu. Oh, par contre, j'ai des lags. Je suis à 50 mètres et je lag. Ah ouais, je lag aussi. Moi, c'est par moment, c'est pas tout le temps, en fait. Oh, là, moi, c'est vraiment... De toute façon, vous le voyez bien sur le live, hein. Ouais, je le vois.
Ouais, moi c'est... Pourtant, c'est ça qui m'étonne, c'est parce que j'ai quand même pas... J'ai quand même pas un PC en carton, je veux dire, c'est que je comprends pas. T'as coupé Skype? Non. Moi j'ai rien d'allumé, moi. Attends, je vais le couper. Moi j'ai rien d'allumé à part... Pourtant, regarde-moi, j'ai le PC qui tourne et j'ai OBS aussi, donc... Bah moi en fait c'est pour le moment j'en ai beaucoup et puis après là ça va un peu mieux. Par contre je retrouve plus mon chemin, ça c'est vraiment fantastique. Ici si, il y a la touche magique, 9. C'est fantastique les élastiques. Oh là là. C'est voilà, formidable voilà, cartable. Ouais, voilà, va, dire... Voilà. Va dire ça ma fille, c'est formidable cartable. J'en connais une qui aime pas l'école. Le matin en fait. Après une fois qu'elle y est, ça va. Ah, ça va. 23 monsieur. Je suis là. Par contre non plus j'aime pas l'école. Moi je veux retourner à l'école. Bah ouais, ça va. Attends, parce que je crois que je me suis coincé. Je te jure, ah non, quand je pourrais retourner à l'école, j'y crois. Ah, par contre, j'ai vraiment trop de lag là, donc c'est plus jouable. Je sais pas. Ou alors des coreco. Bah, tu lags aussi. Ouais, ce que je vais essayer. Ouais. Ouais, je vois. Là, je déco et je reviens. Si c'est pas mieux, bah. J'arrêterai farming. Je vais rester sur le TS un petit peu, sûrement. Alors, hop, voilà, je vais lancer la partie. Merci Cyril de 2703 pour le follow. Comment vas-tu? Salut à toi, Cyril. Salut. Oh! Bon, c'est pareil pour moi, ou quoi? Dès que j'ai ma synchro, j'entends un son. D'ailleurs, je sais pas si c'est pareil pour vous. Non. J'entends comme si une machine à compost. Ouais. Ah oui. Ouais, ouais, c'est normal. Mais oui, j'ai ça aussi quand j'ai marqué. J'ai jamais fait gaffe, moi. Mais si, écoute bien, tu vas voir. On entend le train qui passe. Ah, j'ai peut-être le train, je sais pas. Ça va bien, ouais, hein, par contre, j'ai redélag, tu vois, je suis à 213 MS, bloqué. Ça va bien, merci. Du coup, je crois que je vais attaquer quand même pour l'ordure, c'est sur le TS. T'as mis où ton tracteur? Bah là, je vais aller le ramener justement en garage, parce que j'étais sur la route pour retourner au champ, mais... De toute façon... Moi, je fais pas 10 mètres sans un coup de lagueur. Regarde, j'avais plus de lag tant qu'il était pas là, maintenant qu'il est revenu, je rattrape des lags. J'ai une cour en mousse alors. C'est pas évident quoi. Bon, et demain, t'as école? Ouais. Tous les jours, normalement. Ah, normalement. Ouais. Après, j'ai mercredi matin et. Mercredi après-midi, j'ai pas cours. Sinon, après, j'ai cours tous les jours. Mais après, je sais pas, faut que je vois. Peut-être qu'un mardi sur deux, comme là, j'aurais fini à 11h, donc il faut voir. Ça, c'est bien, ça. Bah, ouais, c'est bien.
Moi je rentre au jeu, j'ai garé mon tracteur. Ça va. Ouh là, je suis allé m'aventurer quelque part, ou est-ce que je devais peut-être pas moi ici? Je vais regarder live comme ça en même temps. Ça va, je passe. Ah ouais, ok. La balance, elle me met que j'ai 20 tonnes, que j'ai pèse 20 tonnes 79, alors que j'ai déjà 27 tonnes 500 dans l'armoire. Ouais, ça, j'ai vu une map avec les trucs qu'ils allaient vraiment. Mais sinon, j'en ai jamais vu. Je sais plus sur quelle map qu'ils allaient vraiment. La balance, qu'elle marche ou qu'elle ne marche pas. Ah ouais, non, mais c'est pour te dire quoi. C'est pas ça qui va m'empêcher de jouer. Hein. C'est le délire quoi. C'est un truc que je ne regarde jamais si la balance fonctionne. Moi je voulais voir par curiosité, je vais dire. Et Xavier, t'es en train de faire ton cartable toi? En train de se battre. Ouais, mais c'est le cartable qui gagne. Oh là là, oh là là. Attention, la balance, elle balance. Tout est lié, d'accord. Jeu de mots, Ramucho. Traverse pas toi. Ça y est, il fait du trampoline sur son lit maintenant. Ah bah, ah mais tu as une chaîne YouTube. Oui, on a deux chaînes YouTube. Il y a la chaîne YouTube des agriculteurs wallons. Et il y a la chaîne YouTube du simulateur de Liège, c'est-à-dire Seb qui joue avec nous, qui fait partie de la team. Tiens, des éléments, bonjour. Salut, éléments. Salut. Cinquième. Wow. Putain, arrête de laguer comme ça. Mais je lag pas, en fait, je crois que tu t'arrêtes, non, et moi, je crois que tu redémarres, et alors... Non, je lag pas, là. Mais en fait, je sais pas si tu t'arrêtes ou si tu démarres, alors... Il y a Vava qui demande si vous recrutez. Pour l'instant, si tu étais quelqu'un qui joue la journée en semaine, ça nous intéresserait, mais pour les soirées et les week-ends, on est un petit peu complète. Je suis désolé.
Bah ça va, c'est bon. Ça va, et toi? Ah, ça fait rire Vava ton cinquième élément, Seb. Ah, il en faut peu pour être heureux. Ah là 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 là. Y'a Vava qui dit bah oui, pendant les vacances je peux. Oui, mais le problème c'est que pas pendant les vacances. Pendant les vacances, on est déjà beaucoup de monde. Oh, on est 8 déjà. Ouais, ouais, ça va être trop ça. C'est ça que je dis, si c'est en semaine et en soirée de semaine, oui, mais pas. Maintenant, si les 8 ne sont jamais là, ça c'est un autre problème. Ouais, mais t'as bien vu le bordel que ça a été ce week-end hein, quand on était les 8 sur la. Ouais, ouais, les 8 c'est. Ah, 8 franchement, c'est trop. Franchement, c'est. Ah, Zéléman, demain, il passe sur le serveur. Il bosse un peu. Il revient de week-end, mais il fallait qu'il se repose un peu. Ah bah, qu'il revienne au taquet, alors. Hein. Bon, Xavier, je regarde plus l'écran, donc je compte sur toi pour lire les commentaires, comme ça. Ouais, pas de soucis. En fait, la balance, que je mette les 4 roues ou 6 ou 3. Ouais, c'est le même. C'est le même poids. Hein. Ouais, c'est ça quoi. Alors, t'as un élément qui dit oui, ça va bosser. Dis-lui qu'il peut bien s'apprêter à télécharger les nouveaux trucs, hein, vu qu'on a changé de partie. Enfin, non. Déjà, tu vas te mettre dans un champ et puis tu vas compter ben, les packs. Ben, je stream depuis que j'ai mon nouveau PC, et là j'ai fini les réglages, donc j'arrive à faire des streams propres. Enfin, je pense. C'est à vous de me dire si le stream est propre ou pas. Ouais, ça va. Là. Et t'es sur PC toi là, Xavier, ou t'es sur ton GSM? Ah, là je suis sur mon PC là. Oh, ok. Ce que j'allais dire sur ton GSM, c'est peut-être moins. Vu que l'écran est plus petit. Ah, oh, j'ai essayé de tourner par là, je suis pas encore allé. Bah, les modes, éléments, tu peux les trouver sur LTS. Toi, t'as le lien. T'as plus qu'à les télécharger sur le lien, quoi. Si jamais ouais, je te le renverrai demain, lui. Ou bien Christophe, ou bien quelqu'un qui est là, il te le renverra. C'est pas vraiment des liens véhicules, hein, c'est surtout les liens qui vont avec la map, quoi. Mais si jamais il passe sur le TS, là, une minute, et puis on te les passe tout de suite, et il charge comme ça, cette nuit. Enfin, y'en a pas beaucoup, hein, mais. Ah bah tout à l'heure, ouais, je sais pas si ça avait personne, c'est qu'il y avait personne du coup, mais... Bien ouais, Xavier, bien. Si t'as vu personne, c'est qu'il y avait personne. Bah voilà, le chat est fini, hein. C'est comme quand on dit un petit nain. Pourquoi t'as déjà vu un grand nain? Ah bah ouais, eh ben sur une échelle. Oh là là. Moi j'ai fini, monsieur. Ouais, j'arrive. Mais voilà, tu. Quand l'auto-chargé, c'est juste. Je vais sur le TS comme ça. Je te les envoie tout de suite. Hop. T'es où dans le champ, toi? Hop.
Non, pas de... Le t'as chargé, tu l'as rangé où, Xavier? Dis, mais t'es rentré à la ferme, toi? Né, hein? Ah non, elle est là-bas, c'est parce que je cherchais ton point, moi. Non, je vais chercher la deux chercheuses. Je me dis, elle est rentrée à la ferme, mais moi j'arrive au champ. C'est quand ça me dit où est l'autre chercheuse? Ouais, c'est Xavier qui l'avait, donc je sais pas où il l'a mis. Il y a deux éléments qui... Ah, je l'ai mis au vache, l'autre chargeuse. Oh, avec un tracteur ou sans tracteur? Avec mon tracteur, avec mon tracteur. Enfin, okay. Comme classe. Ok, bah, je vais... Ouais, allez, je me suis touché là-dedans. Arrête-toi. Par contre, faudra que je remette, c'est le mode ouais, inspecto. Oui. Ah non, on n'a pas changé de thèse, Element. Ah non. Non, c'est toujours le même. Ah oui, on a... il y a les trucs qu'ils ont changé dessus. C'est là, je crois qu'il a changé ça. Mais sinon, ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, je demande, on vient sur le TS où on est nous, sur le salon 1 avant Paris, mais moi, on va discuter. Ouais, j'ai pas encore remis le mode follow me, moi je crois. Ah non, merde. Pensais mettre la batteuse derrière moi en follow me pour la ramener. Bah attends que j'arrive. Ah voilà. Putain, mais être comparé, c'est pas possible. C'est qui le con? Ça va et toi? Voilà. Putain, mais hey, personne. Non, on est là. Oh, je t'ai renvoyé le lien, comme ça c'est fait. Des modes. Alors. Mais il y en a pas beaucoup des modes. Tout ça a téléchargé? Non, normalement il y a une grosse partie que t'avais déjà, donc... Ah ouais, en fait j'en ai que 6 à télécharger. Ouais, si tu veux être tranquille... Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Parce qu'on avait des soucis. Lien, sur... 43, mais sinon... On avait des soucis sur l'autre map donc. Ah. Ouais, les betteraves et les pommes de terre, tu les vidais, elles disparaissaient en fait. Elles ne comptabilisées nulle part. Ouais, par contre, sur ton live, Christophe, on voit le TS ouvert. Ah, ouais. Voilà. Et hop, une creuse. Ah, il y en a un qui a pris le feu rouge. Et hop, deux creuses. Et prends un panier, t'auras plus facile pour les mettre. Hein. Ah, il y a le blé au champ 12. Mais, ne ramène pas la batterie parce qu'il y a le champ 12 à faire. Hein. Je ne suis plus là. Du coup, maintenant, il n'y a plus personne qui part sur le live. Ouais, ouais, c'est ce que je vois. Kartoffeln? Ja. Oh, oh là là! Je vais mettre la trick! Oh là là! Tiens, il y a Bosquillon qui dit coucou! Banne-le!
Bloque-le celui-là, ça. Ok. Et c'est comme hier quand j'ai kické comment tireur. Bah, prends pas. Je l'ai prévenu quand même suffisamment, je pense, non? Ouais. Ouais. Quoi, il s'est passé quoi? Bah, ils vont t'expliquer. Oh, mais moi, je sais plus comment. En fait, il arrêtait pas avec ce wesh, wesh. Mais je lui dis 3-4 fois. Mais c'était toutes les 30 secondes un wesh, quoi. Je lui dis 3-4 fois. J'ai dit, écoute, au début, c'est marrant. Après 2 minutes, c'est casse-pied. Là, ça fait 5 minutes. Ça commence vraiment à me casser les. Hein. Wesh, wesh, wesh. Poum. Kiké. Merci, au revoir. Je comprends pas. J'ai été déconnecté. Mais moi, je comprends très bien. Je dis. Le wesh wesh. Ah ouais. Non, est-ce que c'est qu'il fait? Tu peux m'envoyer le lien? J'entends toujours Christophe. Tu vas voir qui va arriver plus vite que les mode. Oh, il était sûr avec ses wesh alors. Oh, pff, il n'avait plus mais on les wesh alors. Oh là là. Il y avait de l'action? Bah, c'est pas méchamment, mais c'était casse-pied, quoi, la longue. Ouais, ouais, bah c'est sûr. Tu sais, il fait une fois, deux fois, ouais, ok, mais là, toutes les 30 secondes. Et les modes, parce qu'on était en train, en plus, d'essayer des maps et tout, parce que ça n'allait pas. Et, ouais, mais on va mettre des modes. Et, mais attends, avec tes modes de tracteur, je dis, on va essayer déjà d'avoir une map, c'est bien d'avoir un tracteur, si t'as pas la main pour aller ouais, dessus. Bah oui. J'arrive, hein, les gars. Ouais. Y'a que la map, y a ouais, que ouais. La map à extraire. Y'a rien d'autre, y'a que la map. Ok. T'as vu ce qui est apparu sur le live? Oui, j'ai vu. Ah. Attends, j'aime déglinguer un petit truc. Pose les gars obligatoires, mais derrière, on regarde. Boum. J'aime déglinguer un moustique. Bien forcé, gueule. Hop. J'ai envie de regarder avec quelque chose. Hop. Il y a la nouvelle polémique, c'est sur Michael Jackson. C'est ce qu'il est vivant. Là. Qu'est-ce qu'on s'en fout s'il a décidé de dire qu'il est mort, il est mort, laisse-le. Ah putain. Non, mais c'est énorme. Les gens ils font des trucs, il est vivant. Ouais, bah s'il a dit qu'il était mort, c'est pas pour rien. Bah il est mort, il est mort. Hein. Non, mais y'en a, ils disent, oh, c'est parce qu'il a voulu arrêter sa carrière. Hein. Bah, même s'il a voulu arrêter sa carrière, laissez-le tranquille. C'est bien pour ceux qui l'a fait d'arrêter sa carrière pour qu'on le laisse tranquille. Ouais. Mais bon, ça, c'est des trucs que tu sais pas encore. Rien savoir. Bah voilà, ouais, c'est les gens, ils ont pris une photo d'un bonhomme, ça y est, c'est lui. Et moi demain, je mets un chapeau dans la rue. Oh Michael Jackson, non, c'est pas ça. Là, il y a 6 viewers, il n'y en a pas un qui parle. À part monsieur Sébastien. Allez, la RAM de télécharger, c'est bon. Bon, comme ça, après, tu peux aller les rejoindre sur la partie. Moi, j'ai arrêté parce que j'avais des lags. Oula, je vais changer la couleur de ça. Moi.
Voilà. Parle tout seul. Ouais ouais, faut bien qu'il s'occupe. Voilà voilà, la petite blague du soir, on rigole. Qu'est-ce que ça fait un nain sur un avec un kawaii? Un imperméable. Et on rigole. Vous pouvez rigoler, c'est gratuit. En plus, elle était vraiment petite, cette blague. Il t'a cherché, à celle-là. Quelle blague? Ouais, vas-y, vas-y, dis-lui. Allez, vas-y, allez. Qu'est-ce vas-y, que ça fait un nain avec Kawaii? Un nain avec un Kawaii. Un imperméable. C'est ça? Bravo. Elle était petite, cette blague, ouais. Et un nain qui pour quelque chose. Hein? Un nain qui porte quelque chose. Bah, n'importe quoi. Il ouais, y a une meilleure. Hein. Voilà, voilà. Il y a une meilleure. Hein. C'est une bonne femme qui sonne à la police. Elle dit, dites, écoutez, j'ai écrasé deux poulets, je fais quoi? Bah, vous les tapez dans le bas-côté de la route, non, madame? Et les motos, j'en fais quoi? Le jour où tu arrives vers un flic, tu lui sors ça, putain de flic, là t'es qui doit faire. Ouais, non, je le ferai pas. Enfin, lui il va faire une tête bizarre après. Il va faire une tête bizarre dans la voiture. Avec les flics, j'ai toujours eu beaucoup de chance, alors je reste comme ça, tu vois. Un jour, je suis à 160 sur la route, et hop, je dépasse un camion. Qu'est-ce qu'il y avait devant? Les UPC. C'est la police des autoroutes, mais ceux-là, tu rigoles pas avec, quoi. Moi, j'entends derrière moi, pouh, je dis, oh merde. Je me gare sur le bas-côté, il me dit, je suppose que vous savez pourquoi on vous arrête. En rigolant, je roulais trop lentement, je crois. Il me dit, ah, vous avez de l'humour. Et ben, des formations professionnelles, si je roulais vite parce que je suis ambulancier. Ouais, ouais, qui me dit, mais vous allez quand même avoir droit à la prune. À ce moment-là, il y a le radio qui sonne. Il y a un accident mortel à 3 km devant moi. Ils ont dû dégager, il me regarde, il me fait, vous avez de la chance. Je dis, plus que celui qui est mort, je dis. Oh, putain. Les petits coups de pression après, t'as une petite chance derrière. Ouais, mais après, t'inquiète pas, j'étais à 120. J'étais pas plus haut. Ah, bah c'est sûr qu'après, tu lèves un peu le pied. Mais... Je me dis, putain, s'il me rechoppe plus loin, j'ai l'air bien. Ouais. Très bête. Qu'est-ce que t'allais dire, Xavier, toi? Je suis en train de chercher des blagues. Ouais. Oh! T'es en train de. Checker le net. Non, je cherche dans ma mémoire. Ah. Ce serait toi, je chercherais plutôt sur internet. Ouais, je pense. Ça, ce serait méchant. Non, c'est pas méchant. Il est 22h, faudrait mieux regarder sur nous. Moi, j'en ai une, mais elle a la pompe. Ah. Moi, j'en ai une, mais il faut qu'elle les enfants ne soient pas là. Ben, à 22h24, un soir d'école, à mon avis, on va plus en avoir beaucoup. Hein. De toute façon, on n'est plus que 4 sur le live. Un c'est moi, un c'est Sepp, un c'est Élément, et un c'est Xavier. Donc, le compte est bon. Tu peux la lâcher. Donc, ma blague. Non. Alors, parce que c'est grossier. C'est un débile. Là, c'est pas grave, c'est toujours bon des fois. Attention, attendez. Il y a Xavier qui va nous faire sa blague. Vas-y. Levez déjà les pieds parce qu'à mon avis elle va voler bas. Alors celle-là, ça devrait aller normalement. Alors c'est un débile et un chef d'entreprise. Alors t'as le débile, le chef d'entreprise il veut faire un jeu avec le débile. Donc le jeu c'est si le débile il pose une question au chef d'entreprise et que le chef d'entreprise il sait pas répondre, le chef d'entreprise il donne 10 000 euros. Au Mongol. Et si le Mongol il sait pas répondre,
du chef d'entreprise, le chef d'entreprise, il donne 1 euro, enfin, le mongol, il donne 1 euro au chef d'entreprise. Donc voilà, donc le chef d'entreprise, il pose une question au mongol, qu'est-ce qui est rouge et qui passe dans la cheminée, qui donne des cadeaux le 25 décembre. Le mongol, il cherche, je sais pas, tiens, 1 euro. Après, il fait, alors, qu'est-ce qui... Il repose une question, bah je sais pas, tiens, 1 euro. Après, le chef d'entreprise, il fait au mongol, bah pose-moi une question, vu que tu sais pas répondre aux miennes. Le mongol, il fait, qu'est-ce qu'il y a 2 pattes le soir, 2 pattes le matin, 3 pattes le midi et 4 pattes le soir. Alors, t'as le chef d'entreprise, il fait des calculs, bah je sais pas, tiens, 10 000 euros. Et puis, le chef d'entreprise, il fait au Google, bah finalement, alors c'était quoi la réponse? Le Google, il fait, bah je sais pas, tiens, 1 euro. T'es bloqué où, toi? Ah non, attends. À la barrière, ce qu'il y a le pont. C'est à tes verres, toi. Et j'ai été vider la paille, tiens. De nouveau rebloqué. Et pourquoi Mimi, Mati, elle ne garde jamais des enfants? C'est pas moi. Je sais pas. Parce qu'avec leur voiture électrique, ils les écrasent. Oh. N'importe quoi. Voilà, voilà. Elle est décédée, mais elle va mourir. T'as trouvé ça où? Sur net? Non. Bah non, elle est pas morte, Mimati. Non, Mimati, non. Elle s'est pendue, même. Ouais, ça pue, ça. Ça pue. Et ben, elle s'est pendue sur son bonsaï. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Et moi, écoutez vos conneries, j'ai oublié de tourner, moi. Obligé de refaire demi-tour, hein, du coup. Putain, je m'en vais où, moi, là? Je sais même pas où t'essayes d'aller, en fait. Hein. Mais non, moi non plus, en fait. Maintenant, au 11, tu dois aller... Ah bah t'es loin du compte. Préparer l'autochargeur. Il y a Dylan Farming qui dit yo. Salut Dylan. Salut Dylan. Yo Dylan. Yo. Wesh alors. T'as retrouvé ton chemin, Seb? Bah ouais, ça y est. Dylan s'est pas choqué en arrivant sur le live. On est en plein délire là. On est en plein délire, ça y est, on pète un cap. Comment va Dylan, le Dylan, la forme? Ça va, en forme, et toi? Ouais, patate, ça va bien, le toi. Dylan. Non, PSEP. Oui. Tu remarqueras que c'est quand les deux vieux qui sont au travail. Hein. Ah ouais. Tu mets la batteuse au champ 11 ou la charme à la ferme? Pfff, quelle heure il est là? Moi à 23h j'arrête, donc est-ce qu'on aura le temps de le faire ou pas? On est hein. Ok, le... bah ça va. Le 11 il est grand. Tout. Hein? Ouais, le 11 il est grand. Ouais, grand. En longueur, oui, en largeur, non. Bah écoute, de toute façon, laisse là. Tant que tu ramasses ta paille, je vais. Ça y est. Ah, ok. Ce que j'allais dire, je vais la nettoyer et tout pendant que tu fais ça. Quoi. Toi, ça va bien. Et tu es d'où, Dylan? Mais c'est ma blague, ça. Ouais, si tu lui piques ses blagues aussi. Il en a déjà qu'une. Ouais. Bonjour, je m'appelle Quentin, je suis mon pari. Bah non, il veut pas la sortir, sa blague. Non. Bon, attends, Seb. Si Dylan a plus de 18 ans, tu la sors, ta blague, d'accord? Allez, Dylan, quel âge as-tu? Comme ça, on saura si Seb peut sortir sa blague ou pas. Bah, il va dire 18 ans. Bonne vidéo. 44, 44, c'est où ça?
44, c'est Nantes, ça, non? Ouais, parce que nous, on a des Français, ok, mais nous, on est Belges à la base. Hein. Donc pour nous, là, t'as déjà un chiffre de trop. Ah, 21, parfait. Yep. Ah, Seb, 21, donc là, blague, là, blague. Wow, quelle est la différence entre une boule VR et une femme? Boule de bière et une femme. Et je vous préviens que c'est grossier. Hein. Allez, vas-y. On l'aura vu. Pas. Non, vas-y. Après, aucune. Et la différence. Ah, parce que tu tapes les deux. C'est presque hein? Ça. Il y en a pas parce qu'elles se prennent tous les deux à coups de cul. Oh. Ça va, je m'attendais à pire, ça va. Ouais, c'est vrai que la canne de bière, c'est pas une chose. Ça va, je m'attendais à pire. C'est vrai que j'y avais pas pensé. Quelle est la différence entre du chocolat et une belle-mère? Oh putain, ça me l'a déjà dit. Après, la belle-mère, elle est dégueulasse et le chocolat, c'est bon. Mais... Ouais, à mon avis, ça doit être un truc assez. Ça doit être déjà un truc non, bien non. Grossier envers la belle-mère. Le chocolat, ça constipe, une belle-mère, ça fait chier. Ah ouais, putain, non, c'est pas con. Bien trouvé. Ah, Châteaubriand, Loire-Atlantique. Ah, ok. Pour dire. Châteaubriand, en général, je les mange, mais j'y vais. Oh là là, oh mec, c'est le soir. J'aime bien parce qu'il me met ce que c'est le carburant. Je le sais ce que c'est le carburant. C'est juste refaire le plein que je veux. Et du coup, cette map, elle va bien et tout, elle bug pas, moins que... Ah, nous non, il y a que Xavier qui a des bugs avec. Ah. Enfin, en même temps, comme il a dit lui-même, c'est pas moi qui le dis, il a une connexion en carton. Ah. Ah, ouais, moi, en connexion. C'est vrai que la connexion multi. C'est pour ça que tu bugs. Parce que, honnêtement, c'est rien contre Xavier, parce que je l'adore, mais tu lags encore depuis qu'il est plus là? Non. Beaucoup moins. Bah moi, vous voyez sur le live, c'est plus du tout. Hein. Ouais, ça bug pas. Hein. Je regarde. Connexion, c'est super important. T'as beau avoir un PC de la mort qui tue, si t'as pas la connexion derrière, que dalle. Ouais. La map, c'est quoi? C'est marqué dans le truc de... Ouais, parce que c'est un nom imprononçable. C'est Suède. Bah, c'est le titre du live. Ouais, c'est pour ça que je l'ai mis là, parce que au moins, si quelqu'un pose la question, ça va lui dire « Regarde au-dessus, c'est marqué !» Parce que t'as et vu le nom. Tu sais pas améliorer ta connexion? Ah, je crois que t'en avais un, moi j'allais dire bah... Non, j'essaye de l'aider. Hein, moi, je... Et t'es loin de ta box, en fait? Bah, je suis... Non, pas tellement, non. C'est par câble ou à leur filaire? Bah moi c'est... Enfin non, je peux voir câble, non. En wifi? Ah ouais. Tu perds déjà ouais. Beaucoup. Il y a ça déjà. Merci ouais, Dylan pour le follow. Ça joue de fou. Et tu sais que j'ai vu câble. Parce que... Seb, j'ai reçu un mail de chez vous. Vous c'est notre fournisseur internet en fait. Il disait un aquarium. Ou s'il est mis derrière une télé ou à proximité d'un aquarium, ça peut brouiller tes ondes et les diminuer ouais. De 50%, ouais. Bon, on m'avait dit ça avec, de quoi, avec une boîte à bête de coca. Ah, je sais pas. Mais que, en fait, si t'étais... Là, allez, admettons, tu mets ta box derrière ta télé. Et ou si elle est près d'un aquarium, pas forcément derrière, mais tout près d'un aquarium, ça peut prendre 50% de la connexion. Bah moi j'ai un aquarium qui est genre quoi, 6 mètres, nous ma box. Bah ça peut faire si t'es. Allez, admettons, je sais pas si tu. 1, 2, 3. Tu joues dans ta chambre, toi, je suppose. Ouais. Et l'aquarium est entre ta chambre et la connexion? Bah. En fait, moi je suis juste au-dessus de ma box, donc non. Ouais, mais t'as un mur alors. T'as un mur.
T'as le plancher, ah bah ouais, quoi. Ouais, bah ouais, bah cherche pas beaucoup. Ouais. Tu perds déjà beaucoup en cause, là. Parce que vers au soir, quand je reviens des cours, je pourrais jouer en bas, mais il y a mes saloperies d'oiseaux qui gueulent. La première fois, j'étais un coq. Mais non, c'est mes perruches. Oh, ça gueule tout le jour, ça. Ah non, des inséparables. Ah ouais, ça c'est la merde. Hein. Ouais, ça c'est... C'est beau, mais c'est chiant. Hein. Ouais. Bon, le jour où ils sont comme ça, non. Il s'est pas leur donné une petite boulette. J'étais en train de penser à une chose, moi. Il s'est pas leur donné une petite boulette. Qu'est-ce que t'avais dit? C'est beau, mais c'est chiant, c'est ça? Ouais. C'est ce que ta femme dit de toi, apparemment. Oh. Ah. Non. Ah, mon pauvre Seb. Ah, t'as vu ça, t'es comment... Ah. Je sais pas si t'es gaucher ou droitier, mais y'a que la main qu'on aime bien. La main. Oh, j'en ai une autre, mais elle est super grossière aussi. En fait, il connaît que des grossières, lui. Ouais, c'est vrai. Ça va, Dylan a 21 ans, donc ça va. Non, je suis chaud, ça, putain. Non. Bah alors, faut pas nous mettre l'eau à la bouche, hein. Bah, ouais, mais après, grossière, dans quel sens? Il y a grossière. Par derrière. Grossière cul. Tant mieux. Ça l'est grossière verbalement. Ah. Non, grossière cul. Ah, bah c'est cool. T'amuses. C'est plaisir, hein. Bon, merde, ce putain d'écran. Faut que je regarde demain. Dylan. Non, le TS. One, ouais. Mais je pense pas qu'il va te donner le TS comme ça. Hein. Le TS, c'est pour les membres de la team. Je suis désolé, mais... Est-ce que tu veux entendre la blague? Allez, pour les... On va pas se mouiller. Pour les 1000 follow, Seb lâchera sa blague. Oh, t'es fou, mec. Mais de toute façon, t'es pas prêt bien, on est à 22. Je te la dirai demain matin si tu veux. Mais non, ouais, mais t'as pas compris. On a 22 follow, on est loin des 1000, là, t'as le temps. Ah ouais, là. On en a ramé, là, à mon avis. Rameutez vos amis. Est-ce qu'on en a ramé l'un jour? Ça, je ne sais pas non plus. Là, tu te réveilles, t'as mis. Oh putain, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, là. Ils veulent tous la blague, en fait. Est-ce que tu vas te garer, Loulou? Ouais, la remorque, je la laisse là. Faudrait qu'on regarde après en gare pour garer les remorques. Ouais, parce que celle-là, Shiji, elle est vraiment chelou à garer. Quelle est la différence entre les cimetières et puis les toilettes? Ouais, ça, c'est simple. Hein. Et pas, vas-y. Il y en a pas parce que quand faut y aller. Oh. Ouais, ils avaient dit que c'était court, mais... Voilà, monsieur. Eh, vous cherchez pas les complications, les quatre tracteurs, on les gare en avant, allez hop. Ouais. Moi, je passe mon temps à bien les remettre après. Bah écoute, si tu veux te faire un plaisir, au lieu d'être les remettre à l'endroit. Je parlais du tracteur. C'est bien. Ouais, j'en remets, t'en remets. En biais. Non, les autres sont mis comme ça, parce que c'est la tête. Oh, bien! Va te chier. Bon, les gars, moi je vais déco. À demain? À demain, ouais, sûr. Passe demain. Ouais, bah, demain, si quand je reviens des cours, t'es encore là. 11h? Ouais, bah, ouais, ça serait bien. C'est ça qui est demain, t'es pas tout casse la jambe. Ça, bah, tu viens jouer avec nous demain matin. Ouais. En fait, c'est alors, Xavier prends, fait des demi-journées, lui. Alors, écoute bien. Tu prends une boîte d'allumettes, tu prends un élastique, tu sors, tu mets ça, tu dors avec tout ça pendant la nuit. Demain matin, tu desserres tout, tu vas au coin d'un meuble et tu fais un coup comme ça et tes toiles, ils seront cassés. Écoute l'autre. Hein. J'ai déjà fait. Ah. J'ai pas compris. Perdant la matière. Tu n'as pas compris. Tu prends une boîte d'allumettes.
Tu rentres tes deux doigts dedans. Ouais. Tu refermes la boîte. Et là, tu mets un élastique au-dessus. Tu vas coucher comme ça. Dans le matin, tu enlèves l'élastique et la boîte d'allumettes. Tu vas un coin d'un meuble. Tu te mets sur un coin d'un meuble ou une table, n'importe. Tu fais un grand coup comme ça et tes doigts seront cassés. C'est déjà fait. Ben, je voulais pas aller à l'école. Sinon, les gars en épi, d'accord, mais ça aurait été mieux dans l'autre sens. Eh, mais t'es jamais content. Ben ouais, mais c'est la logique. Toi, t'as comme tu t'es coupé. Comment? Ouais, les amis, à demain. À demain. Et bonne soirée à vous. Ouais. Oh, tant pis, maintenant on va les mettre comme ça. Et... on va supporter la tour. Quoi, ça s'appelle épi, ça? Ouais. Ouais, ben je savais même pas. Mais normalement ça doit être garé en direction de la porte, pas en direction du mur. Oh. Ah ouais, c'est vrai que ah. C'est un peu loin. Electro, hein, salut. Salut Electro. Salut Electro. Oh ben maintenant moi je serais bien mis. Tu arrives à la fin Electro. On est en train de ranger le matos. Bon, vous avez vu les tracteurs? Tu gares l'eau, tu chauffes? Bon, y'a pas beaucoup à faire, je vais juste reculer un peu. Ah bah Dylan, à plus. Salut Dylan! Prochain live. À plus, À demain soir, Dylan. Live. Hein. Et alors, samedi, je fais un 12h de 20h jusqu'au lendemain, 8h du matin. Donc la nuit de samedi à dimanche, de 20h à 8h au matin. Lève demain, toi, je suis sûr. Bon, au soir, sûrement, comme aujourd'hui. Hein? Au soir, sûrement, ça c'est sûr, comme aujourd'hui. Parce que la journée avec la petite. Je fais un petit dernier coup de pub. Je sais pas si je vais l'arriver demain, moi. Il y a un fameux décalage quand même entre la vidéo et le live. Ouais. Ouais. Donc il y a un peu de décalage, c'est un peu normal maintenant en avoir au. C'est bien que tu sais le régler, hein, ça. Ouais. Ouais. Ah, ben, je le demande pour ça. T'as vu, c'est l'entrepôt où je vais faire ma société de transport. Ça. Ok. Montre un peu la carte pour voir, il est où. Attends. Là. Au-dessus, près de la raffinerie. Ok. Tu vois le décalage depuis le temps. Tu m'as demandé, ouais. J'ai affiché la map tout de suite, ouais. Et elle est pas encore là. Ouais, ok. Près de du champ 3, c'est ça? Mais tu vois, c'est décalé même par rapport au. Parce que moi je l'ai pas encore sur ma télé. Ah ouais. Moi je l'ai. Écoute, demain faudra que tu m'expliques comment mettre le texte là. Tu vois que. Bon, ça je peux le faire bouger. Tout de suite. Ouais, wow, demain. Oh, sinon ça prend 30 secondes. Hein, ça. Ouais, mais je ne sais pas encore ce que je vais mettre comme. Ouais, mais. Pas comme phrase, tu vois. Ouais. À mon avis, je pense que tu vas me filer la phrase. Ah oh, ouais. Réduire la prot en orange. De quoi? La cuve. Ben, je savais pas choisir la couleur sur celle-là. Ok. Sinon, tu penses bien que je l'aurais fait. Bon. Moi je vais arrêter l'ordinateur là. Un matin je le nettoierai celui-là. Parce que...
Hop, je sais pas. Hop, ça va. Un peu de tout le monde. C'est rien de tout.